Bonsoir, on a connu un dimanche très maussade sur le pays, automnal, de la grisaille, de la pluie, beaucoup de neige sur les reliefs de l'Est, attention au risque d'avalanche qui sera encore marqué ce lundi du côté des Savoies ou encore dans les Alpes suisses où il va continuer de neiger à partir de 700 mètres ce lundi matin. Globalement, un temps humide sur toute la moitié sud, sauf près de la Méditerranée avec toujours du soleil mais beaucoup de vent et quelques éclaircies se développeront également entre la Manche et le bassin parisien. L'après-midi, évolution favorable globalement avec encore des nuages dominants. Mais tout de même l'apparition d'éclaircies sur un certain nombre de régions. Ça restera très gris près des Pyrénées ou encore vers les massifs de l'Est avec de la neige à partir de 600 mètres. Quelques ondées aussi prévues pour le Nord-Est et puis comme le matin, du soleil mais beaucoup de vent aux abords de la Méditerranée. Les températures de votre lundi matin, globalement supérieures au normal de saison. Pas de gelée, de 3 à 12 degrés et l'après-midi, des températures qui baissent un peu par rapport à aujourd'hui. Ça reste quand même un peu au-dessus des normales avec par exemple 6 degrés pour Strasbourg, 9 pour Paris et pour Lyon. 10 à 11 près de la façade atlantique et jusque 13 à 16 degrés pour la Méditerranée. Mardi, temps très calme cette fois-ci pour tout le monde avec encore pas mal de nuages bas tenaces pour les régions du nord et du centre. Ça devrait se lever plus facilement à l'ouest tandis que le temps restera ensoleillé au sud-est et vers les reliefs. Mistral et Tramontane seront en atténuation et les températures seront à nouveau en baisse. Elles vont cette fois-ci se rapprocher des normales de saison. Pour mercredi, le calme perdure avec un temps souvent lumineux des Pyrénées aux frontières de l'est. Beaucoup de gris pour le nord et pour l'ouest avant le retour de la pluie en fin de journée seulement par la Manche. Vous notez que Mistral et Tramontane vont disparaître. Ce sera quand même du soulagement pour ceux qui commencent à en avoir marre, mais quelques nuages remonteront du coup de Méditerranée. Température pour cette journée est toujours bien fraîche au nord-est, mais en hausse pour les régions du sud où on repassera à une certaine douceur. Pour jeudi et pour vendredi, une perturbation va traverser le pays jeudi avec de la pluie en plaine et de la neige pour tous les massifs. Températures qui seront orientées à la baisse et qui vont continuer de baisser pour vendredi avec quelques gouttes pour l'océan ou encore entre les Alpes et la Corse. Ce sera plutôt calme et variable sur les autres régions. Et puis pour le week-end prochain, a priori une perturbation samedi à l'ouest qui devrait se décaler vers l'Espagne pour dimanche. Toujours quelques averses entre les Alpes et la Corse et puis ailleurs un temps plutôt mitigé, températures qui seront plutôt froides, notamment en allant vers le nord et le nord-est où le froid s'annonce assez sensible. On vous en reparlera dès demain. Nous serons le lundi 14 janvier et nous fêterons les Nina. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain.